21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette autre aventure de votre programme exclusivement panafricain sur Info TV. Ouro Africa, près d'une heure trente d'échanges sur les questions panafricaines. Et ce soir, ne sortons pas du Cameroun, nous restons focus sur le pays que nous prétendons connaître le mieux. Nous allons justement interroger deux paradigmes majeurs dans l'axe de révolution et de développement de ce pays. Là, nous allons parler de la démocratie, nous allons évoquer aussi la prospérité, promesse d'un homme qui aura bâti toute sa vie à justement aider à l'émergence et à l'émancipation du Cameroun. Est-ce que ces deux axes majeurs de sa réflexion sont aujourd'hui effectifs? Est-ce que la démocratie s'est exprimée au Cameroun? Est-ce que les libertés sont là? Est-ce que la prospérité, qui est un élément majeur de gouvernance, aussi peut être calquée lorsque l'on interroge les diverses dynamiques d'émergence et de croissance du Cameroun? Nous en parlons ce soir. Mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, le Cameroun est en honneur ce soir sur Ouro Africa. Je prends ma respiration. Tête couronnée et personnalité médiatique sont donné rendez-vous ce soir sur le plateau de Ouro Africa. Et je commence tout de suite au pas de course les présentations. Je vais me tourner vers ma droite toute proche, avec un visage, le visage précisément de Ouro Africa. Paul Stéphane Menunga, vous êtes politologue, vous êtes analyste, vous êtes sur Ouro Africa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir aux nombreux téléspectateurs et internautes qui nous suivent en ce moment. C'est un privilège d'être convié à cette émission Ouro Africa. Merci à vous, Paul Stéphane. Je vais vers ma gauche toute proche, avec un autre acteur. Lui, il nous vient de la société civile. Le docteur Jean de Dieu Evouna est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Barra, bonsoir aux millions de téléspectateurs de Ouro Africa. Bonsoir à toute la grande famille chrétienne, ceux-là qui professent et confessent la foi chrétienne. Et un bonsoir particulier à Jésus-Christ, lui qui est la révélation de Dieu, évidemment, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons l'honneur de nous prosterner devant toi et dire que tu es le salut du monde. Merci Jean de Dieu et Vouna. Je poursuis les présentations avec... À ma main droite, un acteur du milieu médiatique, aussi politique, Simon Messengue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, c'est pour moi un réel plaisir d'arriver comme ça sur Ouro Africa, dans nos traditions, et surtout dans ce que nous appelons aujourd'hui le renouveau de l'Afrique, c'est-à-dire que l'Afrique se lève et qui se hisse fièrement au cœur du monde entier. Je salue comme ça les populations de l'Est Cameroun. Et ils savent pourquoi. Il y a eu beaucoup de mouvements de ce côté-là pendant que le président de la République était en France. Dans le sens positif du terme, on espère. Oui, oui, des très grands mouvements. C'était pour eux un moment de communion avec le président, parce qu'il y a un documentaire. En l'absence du président ? Oui, 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 bien sûr, parce qu'il y a un documentaire. Je crois que c'est l'unique documentaire du président de la République
Évidemment, avec des grandes déclarations et tout ce qui va avec, je crois qu'ils ont été servis jusqu'à très tard dans la matinée du 27. Ils ont fêté et tous... c'était comme une... Qu'est-ce qu'ils fêtaient, de... les populations? Ils fêtaient... Qu'est-ce qu'elles fêtaient? Elles fêtaient 40 ans de du labeur aux côtés de leur chef, aux côtés de leur commandant en chef. La plupart d'entre eux, chacun disait ce qui... Dieu labeur, l'Est a bénéficié du renouveau. Oui, beaucoup, 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 beaucoup. Bertois, que je connais un peu, a les stigmates du renouveau. Bertois, je vous assure, c'est une très belle ville. Une ville que vous ne pouvez... Moi, j'ai parcouru Bertois dans, durant tous ces deux jours. Je me suis demandé si ceux qui sont... Si ces laudateurs qui sont à WhatsApp, qui sont à Facebook et autres, connaissent le Cameroun. Parce que justement, les nids de poules, je n'en ai pas vu. Justement. À Bertois. Oui, à Bertois. À Tsigaza. Ah, bien sûr. Je vous assure, c'était merveilleux. Et c'était un cas. En fait, c'est une ville très propre. Si bien que j'ai pris des photos, j'en ai même pris certaines, mais je me suis demandé si j'étais au Cameroun. C'est dit que. Vous étiez à Dubaï. Oui, vraiment. Vraiment non, c'est pas Dubaï parce qu'en fait, Dubaï est touffu. En réalité, Bertois est aisé, les passes, ainsi de suite, vous avez. C'est très bien. Donc, je me suis dit, il faut que les gens sortent un peu de WhatsApp, sortent de Facebook et autres, et vraiment découvrent le Cameroun. Merci. Merci, Simon Messingue, pour la présence. Un confrère journaliste peut en cacher un autre sur ce plateau. Timothée Issoumba-Bina, DPDDP, si vous voulez, est parmi nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Stéphane Mononga, bonsoir à vos millions. Pour l'instant encore Barga. Bonsoir Stéphane, Stéphane Barga. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de Info TV. Mon bonheur est heureux ce soir d'avoir été convié à cette agape intellectuelle hautement élitiste qui pose sur la table les problématiques qui concernent non pas seulement un seul pays, mais l'Afrique tout entière. C'est un honneur de s'inscrire dans la lignée de ses pères fondateurs, de Kwame Nkrumah et autres, qui très tôt avaient déjà pensé qu'il faut parler de l'Afrique d'une seule voix. Merci Timothée Issoumba. Je termine par un autre pilier, axe majeur du 5 majeur de Uru Africa, le docteur Jean-Moïse Mbok, pour ne plus le présenter, est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent au Cameroun et à l'extérieur. Ils sont nombreux au Gabon. Oui, et nous saluons nos amis du Gabon et principalement, moi je salue le chef de l'État de la République gabonaise, pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'espoir aussi, parce qu'on attend que des choses se passent de ce côté-là. Je vais saluer la France, je vais saluer les Jeux Olympiques. Et je vais saluer les athlètes, les 6 athlètes camerounais qui sont représentés dans les 10 600 athlètes qui sont à ces 33e Olympiade. Et puis voilà, merci pour l'invitation. Merci à vous, Jean-Moïse Mbok, pour ce mot d'encouragement pour la team Cameroun présente du côté de Paris. Pour l'instant, on reste dubitatif sur les performances. On espère qu'il y aura évolution dans les prochaines heures et les prochains jours. De ce côté, on va rester, nous, concentrés sur ce qui nous interpelle. À majeur, je l'ai dit ce soir, nous parlons de démocratie, nous parlons de prospérité au Cameroun. Alors, on va commencer par la définition des concepts. C'est l'affaire de Paul Stéphane Mounga. Oui, Stéphane Mounga, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que il y a une grosse confusion quand on parle de démocratie. Beaucoup tentent souvent de résumer la démocratie à l'organisation d'une élection et peut-être à un changement à la tête de l'État. C'est vrai qu'il y a plusieurs auteurs qui ont apporté des définitions, mais moi, la définition que je donne à la démocratie, en réalité, c'est un régime politique ou un système politique où les droits fondamentaux de l'homme sont respectés. Quand je parle des droits fondamentaux ici, c'est le droit à l'éducation, c'est le droit à la santé, c'est le droit au travail, c'est le droit à la vie, c'est le droit à l'eau potable, le droit à une route. Ce sont les droits fondamentaux là-bas. C'est ça la démocratie. Les élections ne sont qu'une composante de la démocratie. Et oui, je pourrais illustrer ça en convoquant ici
ou en faisant une analyse, en me servant du régime politique monarchique, pour illustrer ce que je suis en train de dire. On ne dit pas souvent aux gens que l'Angleterre est une monarchie parlementaire, mais on n'a jamais dit que c'était une dictature. C'est une monarchie parlementaire parce que dans les régimes monarchiques, en réalité, on a trois types de régimes. On a la monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire les pouvoirs du roi sont constitutionnalisés. On a la monarchie parlementaire et la monarchie absolue. Vous voyez que le plus important dans un régime politique, c'est qu'il faudrait que les droits inconditionnels ou les droits fondamentaux de l'homme soient respectés. Je sens en disant que la démocratie, c'est aussi un régime politique où la loi est générale et impersonnelle. C'est aussi ça la démocratie. Ça veut dire que si on a dit qu'au Cameroun, et je prends cet exemple, celui qui vole doit avoir 5 ans de prison, que vous soyez le fils du président ou le fils de la Bayam Selam, on doit vous appliquer cette loi. Voilà en réalité la démocratie. La démocratie ne se résume pas à une élection ou à un pluralisme politique, parce qu'on confond aussi. Vous pouvez avoir plusieurs partis politiques dans votre pays et ne pas être une démocratie. Merci Paul-Stéphane Manunga pour les jalons posés quant à la conception et la définition de la démocratie. J'aimerais me tourner vers Jean de Dieu Evouna. Alors, Jean de Dieu Evouna, vous qui êtes au cœur des sciences sociales, avez-vous l'impression, alors qu'on parle de rétrécissement des libertés, alors qu'il ne se passe plus de jour sans qu'un communiqué d'une autorité administrative ne vienne restreindre un peu les allées et surtout la liberté, les libertés d'expression, avez-vous l'impression qu'on soit véritablement en démocratie, comme ce fut le souhait du président il y a pratiquement 30 ans aujourd'hui? Est-ce que le Cameroun est une démocratie? Je dirais pas encore. Pourquoi? Pas encore, selon vous? Non, pas encore. Pourquoi? Parce que, pour ajouter à ce que vient de dire le politologue, pour nous autres, la démocratie, c'est aussi la gestion de l'économie, de la politique, de gouvernance par d'un peuple, par ce peuple et tout ce peuple. On ne peut pas dissocier donc la démocratie à la gestion de notre économie. Est-ce que le Cameroun gère son économie? Est-ce que le Cameroun bénéficie de son économie? Je ne pense pas. Est-ce que le Cameroun a d'abord même une économie qui lui est propre? Je ne crois pas encore. À cela s'ajoute la question que vous avez posée, celle de liberté et individuelle et la liberté d'expression. Je dois avouer que je l'ai toujours dit, la démocratie qu'on nous a servie, celle d'après la Bolle, est une démocratie de façade. C'est-à-dire, oui, nous avons là... Malgré les multiples élections, malgré les partis politiques, malgré... Le multipartisme électoral et non pas des élections. Je suis d'accord avec M. Munro, c'est le multipartisme électoral que nous avons. Nous avons la libre expression et non la liberté d'expression. Cette libre expression qui s'est... Pourtant, vous vous exprimez sur ce plateau. Je dis vous critiquez le régime, vous en parlez avec véhémence. La libre expression est aussi liée au droit de manifester. Oui. Que nous réclamons et nous ne voyons pas cela se manifester. On ne peut pas manifester au Cameroun à l'heure actuelle? Non. On ne manifeste pas au Cameroun. Quel est le sous-préfet? Il faut qu'on se dise de l'équité. Nous sommes là en train de faire le diagnostic. Oui. Il ne faut pas qu'on soit en train de dire des choses pour plaire aux gens. On ne manifeste pas au Cameroun. C'est-à-dire la liberté d'expression n'est pas la libre expression. Oui. C'est ce qu'on nous a servi. Mais la liberté d'expression, c'est parler et être écouté d'abord. Donc, le concept de l'écoute est impliqué dans la liberté d'expression. C'est-à-dire, vous parlez, vous dénoncez, vous réclamez et on vous écoute en face. On prend en considération ce que vous dites. La libre expression, c'est que tu bavardes, tu bavardes, tu bavardes et tu as l'impression qu'en face, on ne t'écoute pas, on ne considère pas ce que tu dis. Oui. Voilà un pan de la liberté d'expression. À la suite de cela, il y a que nous n'avons pas vraiment assimilé dans notre concept de la démocratie le droit à manifester. C'est-à-dire, on peut parler et on se dit, bon, aujourd'hui, nous allons sans toutefois on ne manifeste pas au Cameroun. Je dis bien, les marches sont interdites, carrément. Oui.
Ça, il faut le dire. C'est-à-dire, manifester ne veut pas dire faire la casse. Manifester ne veut pas dire faire crier. Oh. C'est tout simplement pour faire une marche, pour dénoncer un certain nombre de choses. Nous n'avons pas encore expérimenté jusqu'à à présent ce droit qui... loi constitutionnelle qui nous est si chère. Ça, il faut le dire. Oui. À la suite de ce que je viens de dire, nous avons aussi un problème de ce que nous n'avons pas la liberté. Parce que la liberté consiste au choix du type de gouvernance que l'on s'approprie en fonction des valeurs intrinsèques, des valeurs culturelles et même des valeurs économiques que vous avez décidé de prendre. Nous sommes une néocolonie et en néocolonie, il n'y a pas de démocratie. Et il n'y a pas de développement. Merci, Jean de Dieu Evouna. Bilan dur quant à la situation au Cameroun. Pas de droit de manifester, pas de liberté d'expression. Simon Messengue, vous reconnaissez dans ce Cameroun qui est décrit sur ce plateau? Vous savez, dans mon propos liminaire, j'ai parlé des de Camerounais de Facebook et de WhatsApp. Il y en a sur ce plateau? Qui chacun doit se reconnaître, qui en réalité sont restés, ont fait du Cameroun, en fait le Cameroun est devenu leur plateforme habituelle où chacun échange. Mais il faut sortir de ces canaux virtuels pour comprendre ce que c'est que le Cameroun. Je crois que il faut qu'on situe très bien le téléspectateur qui nous suit et qui prend cette émission comme une émission digne d'intérêt. Une démocratie, c'est la dictature de la majorité, différent d'une autocratie qui est la dictature d'un individu. Il faut qu'on se le dise. Et dans ce pays, nous avons fonctionné dans ces deux types de canaux. Lorsqu'on mettait en place des institutions, dès 1966 jusqu'en 82, on a fonctionné dans une forme d'autocratie avec un parti unique. Ça, c'est l'histoire. Et il faut dire ça aux générations présentes et futures. Oui. Et en 82, par les mécanismes de dévolution du pouvoir de l'époque, nous avons le premier ministre de cette époque. C'est-à-dire que celui qui est le premier ministre de 1975, de juin 1975, à savoir M. Paul Biya, et en 1979, le premier ministre était devenu le successeur constitutionnel. Alors, en 1982 donc, évidemment, à la suite de la démission de l'ancien président, son Excellence Amadou Ahidjo, le 4 décembre, le président, le premier ministre de l'époque, donc, Paul Biya, est devenu président de la République. Nous étions toujours dans une autocratie, la dictature d'un individu. Ce sont des faits, je ne commente pas. C'est mon enseigné, nous sommes 42 ans plus tard. Non, mais oui, vous marquez, non, la vérité, c'est quoi, c'est 90 avec la promesse, vous ne pouvez la déclaration du président Paul Biya. Pourquoi on se perd pas dans l'histoire? Vous ne pouvez pas parler d'un pays. Vous pouvez avoir un bilan si vous ne commencez pas avant, pendant et ce qu'on vit maintenant. Alors, quand vous dites que la démocratie n'est pas née comme ça. Il y a eu une histoire. C'est cette histoire que je suis en train de vous dire. Donc, alors, de 82, donc, jusqu'en 85, il y a eu, au sein de ce parti politique, des velléités d'émancipation. En 83, par exemple, le président disait que même pour un seul poste, il fallait de multiples candidatures. On était dans, même au sein du parti unique, il y avait déjà une forme d'émancipation de la démocratie. En 90 donc, c'est pour cela que le président en 87 disait que en fait il faut qu'on s'apprête à s'ouvrir à la saine concurrence politique. Oui. Là, nous ne sommes même pas en 90. C'est pour comprendre que le pays avançait. Et aujourd'hui, maintenant, on s'est donc retrouvé en 90 avec l'avènement de la démocratie. Démocratie dans les éléments. Qu'est-ce qu'on peut rechercher pour évaluer un pays démocratique? Qu'est-ce qu'on recherche? L'alternance au pouvoir, par exemple. Non, l'alternance n'est pas. C'est pas. Non. C'est une conséquence. Prenez des éléments.
le multipartisme ou le pluralisme politique. Oui. Ça veut dire que la diversité de la pensée je politique... Je vous donne la suite d'un instant, toi, avant de vous retirer la parole. Un instant. Toi. Ce n'est que toi. Rapidement, la diversité dans la pensée politique pour permettre justement cette saine concurrence politique. Ça veut dire qu'on donne le choix, non pas à un dictateur, mais au peuple souverain, maître de son destin, de pouvoir choisir quel est le projet de société qui lui sied le mieux. Ça, c'est le pluralisme politique. Deuxième des éléments, la mise en place des institutions modernes pour justement encadrer ces éléments qui permettront que la voix du peuple soit celle qui soit la seule à être entendue. Nous sommes dans une démocratie représentative. Troisième des éléments, les libertés individuelles et collectives. C'est un fait? Ce sont des faits. Elles s'expriment au Cameroun? Mais attends, écoutez, les libertés individuelles et collectives sont des faits. La preuve, c'est quoi? En marche. Attendez, pourquoi j'ai un problème avec vous? Je vais vous dire une chose. Qui marche en France? Vous avez un parti politique qui marche en France? Moi, je ne suis pas français. Non, non, écoutez un peu. Je parle de grande démocratie. Je ne suis pas français. C'est pas la démocratie. Moi, je pose une question. C'est pas la démocratie bien plus vieille que les nôtres. Aux États-Unis, c'est le parti républicain et démocrate qui marche. Non, ce sont les syndicats. Bon Dieu. Il faut qu'on arrête de croire que. De trouver des arguments dessous les tropiques. Les syndicats. Alors, écoutez très bien. Écoutez très bien. Vraiment, il faut qu'on fasse la politique avec élégance. Qu'on arrête de faire des choses du genre de trouver des rafistolages pour dire aux gens ce qui n'est pas vrai, alors que nous voyons la vérité en face. Merci. Le Cameroun aujourd'hui est une démocratie. Sauf à être un blagueur que de dire qu'au Cameroun n'est pas une démocratie. Je peux même vous dire que nous sommes dans l'ivresse de la liberté. On n'a pas demandé ça de liberté. Sur vos plateaux de télévision, vous êtes un journaliste. Vous suivez des choses les plus horribles sur les dirigeants et même sur ce pays. Si vous n'êtes pas dans une démocratie, vous n'avez pas un tel... Merci, Simon Messengue. Donc, je reviendrai, mais il faut qu'on s'en tienne aux éléments techniques et scientifiques. À vos éléments. Pas au rafistolage. Non, non, à vos éléments. Aux éléments scientifiques. Moi, je n'ai pas encore... Je me tourne vers Timothée Essomba, acteur de la presse connu et reconnu. Alors, est-ce que ce vernis qui semble être l'apanage de M. Messengue sur le plateau, s'exprime aussi envers vous qui êtes censé porter la voix des populations, la voix de la société camerounaise. Est-ce que vous percevez ce vent de liberté qui, normalement, est censé pousser depuis 1990 avec la fameuse loi sur les libertés? Est-ce que vous êtes libre de faire le métier qui est le vôtre? Est-ce que, justement, vous êtes libre d'exprimer des opinions, des réflexions, des interrogations à travers les instruments de communication qui sont les vôtres? Merci Stéphane pour cette question. J'aimerais d'abord dire que moi je ne perçois pas la démocratie comme étant la dictature de la majorité. Cette expression est très forte. Et c'est peut-être parce que certains pensent que la démocratie c'est la dictature de la majorité qu'aujourd'hui nous notons une foule ou alors une foultitude de récriminations qui tendent à donner l'impression que le Cameroun n'est pas un pays démocratique. La démocratie, c'est le gouvernement de la majorité. Et ce gouvernement de la majorité se caractérise par le fait que la majorité gouverne pour le bien de tous. Alors, où est la différence entre dictature de la majorité et gouvernement de la majorité? La dictature se caractérise par le rigidisme, le rigorisme, le pouvoirisme excessif et le docteur Vounala soulignait tout à l'heure l'absence d'écoute. Alors que le gouvernement se caractérise par le consensus, la volonté de concilier, écouter les vents contraires, ne pas les museler. À quel niveau se trouve Cameroun? Ceci me permet donc de citer le président de la République, son Excellence Paul Biya, lui-même qui a dit qu'il souhaiterait qu'on retienne de lui un homme qui a apporté au Cameroun la démocratie et la prospérité. Est-ce que lui-même un jour a déjà dit que le Cameroun était un pays démocratique? Oui. Il a commencé, il a été constant. Sur le fait on vous répond oui. Il a été constant en disant que le Cameroun est un pays en voie de démocratisation. Lorsque je prends donc cette expression démocratisation, en voie, le ion en science caractérise un processus. Une évolution, un mouvement.
Parfois, il peut traduire un idéal ou alors la asymptote. À partir du moment où nous sommes un pays en voie de démocratisation, nous sommes donc obligés d'apprécier le modèle démocratique camerounais à l'aune des critères. Les scientifiques en ont retenu trois. Le pluralisme politique, avec les analyses qu'on pourra faire dans notre prochaine prise de parole, l'équilibre des pouvoirs et la promotion des libertés. Si je prends le pluralisme politique, il est effectif dans la manifestation. Près de 400 partis politiques. Près de 400 partis politiques. Ça veut dire que les gens s'expriment. Maintenant, l'équilibre de pouvoir, est-ce qu'il est manifeste? La mise en place des institutions. À partir du moment où la discipline du parti prime sur les institutions censées se neutraliser, il y a un biais sur l'équilibre des pouvoirs. Mais on ne va accuser personne. C'est le système de la majorité. C'est le système de la majorité. Donc, on n'accuse pas. La promotion des libertés, elles sont effectives. La liberté de la presse est effective au Cameroun. Nonobstant les petits écueils que l'on peut souligner de part et d'autre, qui ne sont pas toujours commis par l'État, mais davantage par des individus. Parce que lorsque nous nous exprimons ici, je n'ai jamais vu que le ministère de la Communication, le ministère de l'Administration territoriale bloque le signal d'Info TV pour que les gens ne puissent pas s'exprimer. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est les marches qui sont le catalyseur ou le lubrifiant de la démocratie. L'alternance politique, c'est le lubrifiant de la démocratie. Mais il ne faut pas confondre l'alternance politique à l'alternance des hommes. Parce que l'alternance idéologique est plus importante que l'alternance. Je pose une question qui peut être banale, Timothée Somba. S'il vous plaît. Imaginez, oui. Je reste avec vous, que vous êtes à Paris, vous êtes à Bruxelles, vous êtes à Londres, on vous dit, vous allez au Cameroun, pays démocratique, et là on fait comprendre qu'il y a un exécutif qui est là depuis pratiquement 40 ans. Lorsque vous êtes un occidental, lorsque vous êtes habitué à la démocratie en termes d'alternance, cela ne vous heurterait pas, par exemple? Restons sur cet aspect. Justement, l'alternance n'est pas un critère de la démocratie. C'est un lubrifiant de la démocratie. Qu'est-ce que vous mettez dans lubrifiant? Dans lubrifiant, c'est quelque chose qui vient lustrer, qui vient rendre la démocratie peut-être plus attractive ou plus attrayante. Donc, le dernier critère, qui est davantage un critère moderne, c'est la transparence des élections. Et là, vous me permettez de sortir du modèle camerounais pour regarder le modèle africain. Le gros problème des démocraties africaines repose sur la contestation quasi systématique des élections. C'est donc la suspicion sur la transparence des élections qui vient donc heurter tous les autres critères qui sont perceptibles, mais qui sont remis en cause par le fait que, à partir du moment où on soupçonne des élections d'être fraudées, on a biaisé, on a même émasculé le pilier de la démocratie qui est le libre choix des dirigeants. À partir du moment où vous ne pouvez pas librement choisir les dirigeants, il vaut mieux se dire les choses clairement. On n'est plus en démocratie. Et si on n'est plus en démocratie, vaut mieux dire la vérité. Nous sommes dans quoi? Peut-être dans ma prochaine prise de parole. Merci. Je retiens que nous ne sommes pas en démocratie. Ou bien, selon les éléments que vous avez avancés sur ce plateau, on est en voie de sortir de la démocratie pour être dans autre chose que vous nous révélez plus tard. Timothée Essomba, Jean-Moïse Mbok. Confusion sur les expressions, le politologue a fixé le cap. Aujourd'hui, confusion sur les moyens d'expression et les moyens
d'expression, je dis, de cette démocratie-là, liberté, point d'interrogation, parti politique, une flopée, pour quel résultat, point d'interrogation, justement, alternance, sur le plateau, on veut me faire comprendre que ce n'est pas un critère essentiel. Alors, selon vous, dans quoi est-ce qu'on se trouve lorsqu'on évoque la démocratie et surtout la promesse présidentielle face à Yves de Mouroussi, Radio Monte Carlo, en 90, je voudrais être cet homme qui entre dans l'histoire comme celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. Alors, avec les tenant compte de la définition de Paul Stéphane, à laquelle je souscris parfaitement, il faut déjà dire que, avant d'arriver au bilan ou aux observations, il faut parler des piliers qui ont manqué. Et c'est les piliers qui ont manqué qui facilitent la confusion aujourd'hui entre ça est, ça n'est pas, parce que les piliers qui ont manqué, le premier est celui de l'explication. Parce que quand on dit égalité de chance, égalité d'accès à tous, ça se transcrit dans les faits. Comment? Ça, c'est le premier problème qui a manqué dans notre pays. On n'a pas suffisamment communiqué. Et la conséquence de l'absence de communication entre d'abord les gouvernants qui doivent expliquer ce qu'ils entendent par démocratie, ça renvoie à la liberté pour atteindre un objectif. Il y a donc une vision qui doit être expliquée, une vision qui doit être clairement comprise, et des énergies qui doivent être équipées, formées, préparées pour atteindre cette vision-là. On n'a donc pas fait ce travail, on a fait l'éducation comme on l'a faite, on a mis plusieurs leviers pour expliquer la démocratie sans communiquer de manière précise sur ce que les uns et les autres avaient comme rôle. Ce qui fait que, entre le gouvernant qui ne communique pas suffisamment, les partis politiques, pour ne pas dire les partis d'opposition, et on rentre dans le jeu avec pour seul objectif de briguer le pouvoir et non d'éduquer les populations et non d'expliquer, de sensibiliser sur le bien fondé de cette fameuse démocratie. Résultat des courses, vous aurez toujours deux ou trois camps. Un camp qui dira « voilà ce que c'est », un autre qui dira « mais c'est ce qui est en train d'être fait » et un autre qui vous dira que « mais rien n'est exactement fait » parce qu'il n'y a pas eu une explication concertée sur les objectifs qu'on veut atteindre. On a fait le multipartisme pourquoi? Est-ce que c'était pour qu'on ait 400 partis? Ou alors pour qu'on puisse réunir le maximum d'idées? Jean-Maurice Mbok, multipartisme, c'est pluralité de partis. Ce n'est pas que ça. Est-ce qu'on veut faire l'histoire? C'est là le problème. Si je crée mon parti politique, et Singan, juste pour être dans l'espace politique, il y a un problème. Mais si je crée le parti politique pour apporter un plus, éduquer les populations, revoir le système éducatif, travailler sur la question de la monnaie, il y a toujours un pan sur lequel on travaille pour développer la nation. Le problème, il est là, Stéphane. C'est que si on prend juste les marqueurs, on va dire, est-ce qu'il y a plusieurs partis politiques? Oui. Est-ce qu'il y a liberté de la presse? Mais oui, il y a combien de télé, il y a combien de presse écrite, il y a combien de radios? On va prendre juste ces éléments. Mais dans le fond, ces instruments existent pourquoi? Dans quel but? C'est pour ça que vous avez le plateau de télé où les gens peuvent s'invectiver, s'injurier, se parler sauvagement, parce que même le présentateur ne sait même pas pourquoi il est là. Pour lui, c'est faire la télé pour le buzz. C'est pas le cas sur ce plateau. C'est clair. C'est pour ça que nous sommes là, Stéphane Barga. Je fais partie de ceux qui choisissent les médias où ils vont. Tout simplement parce que je crois que si on a fait un média, c'est pour atteindre un objectif. L'objectif des médias, c'est éduquer les masses, c'est éduquer les populations, dont la jeunesse. Quand ce n'est même pas compris, on va donc venir sur le plateau télé, rappeler qu'on est, puis à la fin, le jeune qui nous suit ne retient rien à ce qui a été dit. Ce que j'essaye de dire, en appuyant sur la définition de Paul Stéphane Lumumba, c'est l'égalité de chance. Les chances là, c'est quoi? L'égalité d'opportunité. Les opportunités là, c'est quoi? Si on n'a pas expliqué ça aux Camerounais, revenez 100 ans après, on aura le même problème. Il est donc question ici aujourd'hui, et il a pris un bel exemple, si on vient sur la question de justice, il faut que la justice soit équitable pour tous, l'enfant du grand comme l'enfant du petit. Mais dans quelle vision? Dans quelle optique? On veut atteindre quoi? En imposant qu'il y ait égalité. Si on n'a pas défini ce qu'on veut atteindre, on ne pourra pas avoir de marqueurs fiables pour cette démocratie et ce fameux développement. Jean-Maurice Mbok, on est là avec vous.
dans les concepts, mais beaucoup qui nous regardent de façon pratique s'interrogent. Est-ce que nous sommes en démocratie ou alors c'est une construction ou alors nous ne le sommes pas? On voudrait quand même fixer le cap de façon claire et précise. Vous avez vos référents, vos codes, mais la question semble encore être un peu confuse pour la compréhension de ce qu'il y a juste déjà parlé. Nous sommes en démocratie. Non seulement le chef de l'État l'a dit, vous l'avez tous reconnu ici qu'à la bonne, on nous a imposé quelque chose. Donc c'est une logique, c'est une notion qui est acceptée, qui est déjà entendue et dans laquelle la majorité des partis politiques marchent. C'est pour ça que les citoyens peuvent s'exprimer comme on s'exprime. Parce que nous sommes en démocratie, on a compris le principe. Mais moi je dis qu'une démocratie qui n'a pas un objectif à atteindre pose un problème. Une démocratie qui n'a pas un but, et quand je parle d'objectif ou de but, c'est les instruments, les leviers pour être influent dans notre sous-région et dans le monde. Nous autres font la démocratie pour avoir les meilleurs médecins qui vont avoir une sorte de structure médicale locale qui va attirer des devises. Les autres font de la démocratie pour avoir un système éducatif encore plus relevé, de manière à ce que les autres viennent se former chez eux. C'est ce que les Occidentaux ont réussi. On fait notre démocratie à la camerounaise pour atteindre quoi? Merci. Si on ne l'a pas compris, on aura toujours le problème. Donc je me résume en disant, nous sommes en démocratie, oui. Il y a des éléments qui peuvent montrer que nous y sommes. Mais si on n'a pas défini à la clé les objectifs qu'on doit atteindre, moi qui entre en politique, je veux atteindre quoi? Moi qui suis le système éducatif qui est mis en place par les gouvernants, je veux atteindre quoi? Moi qui fais les affaires, je veux atteindre quoi? Si on n'a pas défini ces petits éléments-là, on va toujours jouer à on n'y est pas. Merci, Jean-Moïse Mbok. En 5 secondes, Stéphane, s'il te plaît. La sortie du docteur Mbok me permet d'ajouter un nouveau critère, la bonne gouvernance. Merci. On est sur Ouro Africa. Ceux qui connaissent savent que c'est toujours la même pluie de contributions. On va s'appesantir de façon particulière sur celles qui nous viennent d'ailleurs, puisque le Gabon, je l'ai dit, est maillot jaune sur ce plateau. Mais non, celle-ci, justement, qui nous vient de Libreville. Et bonsoir, le monsieur qui a parlé du problème de la transparence électorale en Afrique a parfaitement raison. Le seul problème, c'est la transparence électorale. C'est justement parce que les partis politiques savent qu'ils ne peuvent pas être élus sur la base de la transparence, qu'ils monnaient leur vote. Cependant, les pays comme le Sénégal, il existe encore la transparence, certainement à cause de la religion majoritaire. C'est quoi la démocratie, au fait? Elle a été expliquée. Une démonstration ne pourrait être à la camerounaise. Une démocratie ne pourrait être la camerounaise. Merci pour cet avis qui vient du Gabon. Prenons cette autre contribution. Alors, bonsoir à tous, très bonne émission et l'analyse pertinente de M. Messengue et de M. Somba. Ce n'est pas les marches qui montrent l'existence d'une démocratie dans un pays et retenez que de par le monde, il n'y a pas d'exemple de démocratie, il n'y a que des modèles. C'est M. Mohamedou Aminou, conseiller municipal, il y a un des deux qui réagit. On peut vous comprendre, cher conseiller. Prenons celui-ci. Bonsoir, bonsoir à vous et à vos panélistes, je suis Bouka Laurent depuis Libreville. Cameroun, démocratie et prospérité, une réalité. Le thème aurait pu être intitulé Cameroun et prospérité, une réalité ou une quête, une conquête. Votre panéliste en costume noir ne peut pas parler de démocratie à la camerounaise. La démocratie nous vient d'ailleurs, elle a des critères, elle a des normes. Merci à vous pour cette contribution. Rapidement, on va avancer. Bonsoir le plateau, j'aimerais rappeler à ceux qui disent qu'on n'est pas dans un pays démocratique, qu'on ne l'est pas. Voilà un jeune qui s'est levé et a dit à tous les jeunes, comme lui, d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Il se retrouve en ce moment. Il se retrouve où en ce moment? J'aimerais poser ce même qui est... Bon, Martial, revenez-nous avec un message mieux expliqué. Bonsoir Stéphane, il n'y a aucune démocratie sans alternance. Mon bien-aimé Stéphane, ton plateau, le RDPC, ça ressemble à un plateau d'une église de réveil. La démocratie oblige la reddition des comptes. Quelle démocratie existe-t-il sans alternance? Arrêtez d'insulter l'intelligence des Camerounais. Merci à vous, cher monsieur qui écrivait depuis la Côte d'Ivoire, monsieur Kouedi. Bonsoir à tous. Quand j'écoute les militants du RDPC sur le plateau,
ne pas dire la vérité. Je me demande ce qu'ils disent à leurs enfants à la maison. Vos camarades ont brûlé la résidence d'un sous-préfet à Bambis. Et le MINAC n'a rien fait, il n'a rien dit. C'était un opposant, il aurait été traduit au tribunal militaire. Prenons celle-ci, nous vient de Guinée équatoriale. El Señor del RDPC Sorobusca, maintenant Sopan. Conestos Tiperos Asinos Ba La Raza Negra, Una Vergüenza. Et c'est Esbiro dit que les syndicats s'y manifestent. Fiaté que les gilets jaunes en France nous eran syndicatus. J'espère que je n'ai pas trahi la langue du roi d'Espagne. C'est Ouafrica. On va avancer comme cela. Prenons cette autre dernière avant qu'on revienne en plateau. La démocratie au Cameroun est tronquée. La démocratie exige séparation des pouvoirs, l'état de droit et la bonne gouvernance. Pour Stéphane Malunga, voilà un téléspectateur qui estime qu'il y a trois aspects qui, sur lesquels on peut considérer comme fondamentaux. Séparation des pouvoirs, bonne gouvernance, transparence et même alternance. Ouais, je vais commencer par dire que le grand frère Simon Metinga fait comme si le Cameroun est né en 1966. Le Cameroun est né bien avant. C'est pour dire qu'avant 1966, il y avait plusieurs partis politiques au Cameroun. Et il n'y a jamais eu de parti unique au Cameroun. On parle de parti unifié. Parce que le concept ou les concepts ont leur sens. Ça veut dire que le président Ahmadou Ahidjo décide d'unir tous les partis politiques qui existaient déjà au sein d'un grand parti politique. Donc il n'y a jamais eu de parti unique au Cameroun, mais oui, de parti unifié. L'UPC était dedans. Je dis, il a décidé d'unir tous les partis politiques du Cameroun. Ceux qui ne voulaient pas ont été dissous. C'est ça qu'il faut dire aux Camerounais. Il n'y a pas eu de parti unique. Ça veut dire qu'on a tourné en rond. Un parti unique signifie qu'il y a un seul parti. Lorsqu'on revient à 90, le multipartisme, il avait déjà existé. Oui, l'UPC existait. Avant 66, oui. Il y avait des partis. L'UPC existait. C'est le premier parti politique au Cameroun. Mais pourquoi dites-vous qu'on nous a imposé le multipartisme alors qu'il a déjà existé? Le retour au multipartisme. S'il vous plaît. C'est pour ça que je veux donc expliquer. L'UPC, c'est le premier parti politique qui voit le jour le 10 avril 1948. Les partis politiques qui ont refusé de s'unir ont été dissous tout simplement. Donc il n'y a jamais eu de parti unique au Cameroun. Et je vais évoluer en disant que le Cameroun, en réalité, n'est pas encore une démocratie. Oui. C'est une démocratie en construction. Parce qu'il faut faire une différence. Dans les régimes, quand on parle de dictature, c'est deux régimes politiques. Parce que le régime politique, c'est quoi? C'est l'ensemble des pouvoirs qui existent et leur organisation. Quand on parle donc de régime, de la dictature, il faut savoir que c'est deux régimes politiques. Il y a ce qu'on appelle des dictatures totalitaires et des dictatures libérales. Le régime d'Ahmadou Ahidjo était une dictature totalitaire. Le régime actuel est une dictature libérale qui tend donc vers une démocratie. Dictature libérale, ça fait froid au dos. Ça ne fait pas froid au dos. C'est le terme qui peut vous effrayer, mais ça ne fait pas froid au dos. Dictature de. Ça ne fait pas froid au dos, c'est la vérité. Prenons par exemple le cas de Mussolini, parce que j'ai vu les gens parler de pluralité politique, ça m'a un peu amusé. Ce Mussolini avait une pluralité de partis politiques. Il y avait des télévisions et des radios. La démocratie repose sur un, l'isonomia, qui est quoi? L'égalité devant la loi. Ça veut dire que si la loi dit que quand on vole un téléphone, on a 10 ans de prison, que vous appelez Paul Stéphane ou Stéphane Barga, on applique cette loi parce qu'elle est générale et impersonnelle. Deuxième chose, l'iségoria, qui rentre dans ce qu'on appelle quoi? Les libertés publiques ou la liberté d'expression. Quand vous rentrez dans l'exégèse ou la conception de la démocratie, la liberté d'expression, ce n'est pas... Alors, Paul Stéphane Malunga, nous sommes là justement dans l'exposition des concepts, mais de façon pratique, est-ce que l'homme qui pensait entrer dans l'histoire, qui pense entrer dans l'histoire en étant celui qui a apporté la démocratie, devrait s'inquiéter quant à son ambition? J'ai envie de dire que au regard du comportement de certains de ses collaborateurs, il devrait s'inquiéter. Il devrait s'inquiéter parce que sa démocratie a avancé à un moment donné, mais depuis un moment, on a l'impression que certains de ses collaborateurs, parce qu'à la fin, on retient ce que vous avez fait à la fin. Oui. Vous pouvez faire bien,
Mais si vous faites mal à la fin, on ne retient que ce que vous avez fait. Donc, à ce moment, on a beaucoup reculé. On a l'impression qu'on voudrait en réalité nous empêcher de nous exprimer. Oui. Et ce n'est pas bien. Mais en même temps, l'expression, ce n'est pas le libertinage. Parce que ça, il faut aussi le dire. Qu'en démocratie, en réalité, il y a certains comportements en télévision qu'on ne devrait pas avoir. Dans une démocratie sérieuse, il y a des panélistes qu'on n'inviterait plus dans les télévisions. Oui, parce que la démocratie, c'est l'état de droit. La liberté, ce n'est pas insulter les gens. La liberté, ce n'est pas profaner. La liberté, ce n'est pas la délation. Parce qu'il ne faut pas aussi confondre. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression ici que la liberté signifie qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Donc, je disais donc que quand on parle de liberté d'expression en réalité, les piliers de la liberté d'expression, ce n'est pas la télévision, ce n'est pas la radio. C'est la capacité à manifester. Ça, c'est une vérité. Est-ce qu'au Cameroun, on manifeste à volonté? Vous-même, vous avez la réponse à votre question. Je n'ai pas la réponse. Vous avez la réponse à votre lecture. Et le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle l'isocratie. Et ça se retrouve même dans le livre du président de la République, ce troisième pilier, quand il parle de la justice sociale. Est-ce que vous avez l'impression que cette justice sociale est véritablement mise en œuvre au Cameroun? C'est la question qu'il faudrait qu'on se pose. Et je sors donc en disant que ceux qui pensent que la démocratie se résume à l'alternance. La Grande-Bretagne est une monarchie constitutionnelle. Le roi est là à vie. La Belgique est une monarchie constitutionnelle. L'Espagne est une monarchie constitutionnelle. Est-ce qu'il y a alternance en Grande-Bretagne? C'est le premier ministre qu'on change. Mais le roi, le monarque est là. La démocratie ne se résume pas à l'alternance. Il faudrait que les gens arrêtent de réciter ce qu'on enseigne dans les amphis. Et la démocratie, elle est même africaine. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de paradigme démocratique, mais il y a des modèles démocratiques parce que la démocratie est modélisable. On l'adapte, un, à son histoire, deux, à sa culture, trois, à son anthropologie, quatre, à ses réalités. Merci, Paul-Stéphane Mounounga. Jean de Dieu et Vouna, rapidement, on se tourne vers le futur. J'ai posé une question. Est-ce que celui qui veut entrer dans l'histoire comme initiateur, catalyseur de la démocratie, nous sommes en 2024, aurait des raisons de s'inquiéter quant à justement l'implémentation et l'ambition qu'il a eue il y a pratiquement 40 ans? À l'écoute de ses discours, il n'a pas raison de s'inquiéter, il s'inquiète. Il s'inquiète. Il est permanemment en train de prouver qu'il y a, puisque c'est lui qui parle de voleur à col blanc. Un parti politique est fondé sur une idéologie. En rapport avec cette idéologie, c'est de gouverner et d'apporter le développement. Est-ce que celui-là donc qui a parlé de la démocratie et de la prospérité a pu mettre en place ce développement tant promu? Non. Pourquoi? Parce que le développement se traduit, comme l'a dit Paul Stéphane, par la prospérité des ménages, des familles, du panier de la ménagère, de l'emploi, des infrastructures. Lorsque nous savons que jusqu'à présent, nous avons eu, en cette fin, pendant ces congés, 37% de réussite au baccalauréat, ça pose un problème. Et quand puisse pas satisfaire l'enseignant qui est même le socle de la prospérité et de la démocratie. OTS, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas réglé. Est-ce qu'on peut donc parler de prospérité? Il y a un pays où tous les problèmes sont réglés? Non, il ne s'agit pas d'un pays où tous les problèmes sont réglés. Nous parlons du Cameroun. Nous parlons de nos problèmes. Nous parlons de la démocratie et de la prospérité. Je ne veux pas savoir si tous les problèmes sont réglés en France. Je ne veux pas savoir si tous les problèmes sont réglés aux États-Unis. Je parle de mon pays, le Cameroun. Et que si nous avons des enseignants qui ne sont pas écoutés, qui n'ont pas le droit de manifester, qu'on craque, qu'on coupe des soldes, parce qu'ils ne sont pas rentrés faire des cours. Les enseignants sont traqués au Cameroun. Je parle clairement que quand on coupe ton solde, c'est une manière de te... Il y a une raison pour laquelle on le fait. Non, écoutez. C'est pour ça que je pense que tu n'as pas parlé du droit de manifester. Et c'est, je l'ai évoqué. Quand l'enseignant n'est pas satisfait et qu'au regard de ce qu'il dénonce, il a raison,
Il y a un problème de prospérité, il y a un problème de démocratie. Et quand ça sort des coupés, il y a un problème. Il n'y a pas de démocratie. C'est une manière de le claquer. Claquer ne veut pas dire pour chasser dans le quartier. Non, claquer, c'est que tu ne peux plus nourrir ta famille. Parce que tu dis que mes droits ne sont pas respectés. Lorsque mon frère me dit, vous voulez nous faire comprendre que le fait qu'il y ait eu l'ouverture au multipartisme soit un élément, un facteur essentiel de la démocratie, je dis merci à Paul Stéphane qui a démontré que c'était un mensonge. Il faut qu'on touche du point. Est-ce que les biens de consommation sont produits au point que la ménagère, les familles soient prospères? Que voici les rentrées, voici août qui va commencer. Le surménage a commencé avec les parents. Est-ce que les parents sont à l'aise et sont sûrs que leurs enfants iront à l'école? Est-ce que ici sur cette table, nous avons déjà tout ce qu'il faut pour la rentrée scolaire? Est-ce que les familles sont à l'aise? C'est des traumatismes. Ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est savoir que mon enfant ira à l'école, sans me soucier. C'est que je suis sûr d'avoir un crédit à la banque. C'est que la banque, c'est même soit sûr que son. On a la même définition là. Tu as parlé de manière pratique. Nous sommes quittés donc sur la théorie. Je parle maintenant de manière pratique. Pourquoi la femme qui est au quartier, la démocratie, c'est que elle soit à l'aise et qu'elle soit sûre que ses enfants iront à l'école. Ça dit la Libye de Kadhafi était une démocratie. La Libye? De Kadhafi. Stéphane a parlé de modèle. C'était un modèle de démocratie où chacun avait de l'eau, chacun était censé. Quelqu'un qui a rendu un désert un verger. C'était un modèle de démocratie. Et noir et propre à la Libye. Je dirais même propre à l'Afrique. Mais si. Un parent ne peut pas, n'a pas les moyens de mettre son enfant à l'école, alors qu'on nous a dit que l'école est gratuite. Si en démocratie, on ne peut pas manger 2-3 fois par jour. Si en démocratie, on ne peut pas satisfaire l'enseignant qui enseigne mon enfant. Et que l'enseignant est obligé d'aller boire des bières avec son élève au bar le plus proche. Quelle autorité cet enseignant peut encore exercer sur cet élève? C'est de ça qu'on parle. On a quitté au niveau des théories et des pour que les gens nous comprennent. Merci. Et c'est pour ça que je voudrais dire à mon frère Mtengue que si ces choses, si ces éléments que je viens d'évoquer sont palpables dans le panier de la ménagère, dans la société camerounaise, alors nous sommes en démocratie. Merci Jean-Dieu Vouna, Simon Messingue, véritablement une démocratie qui se juxtapose à un certain bien-être des populations. C'est le parallèle que met en avant Jean-Dieu Vouna, expert des sciences sociales sur le plateau. Mais la démocratie, la vôtre, que vous mettez en avant, que vous exprimez, mais qui véritablement ne permet pas au peuple camerounais de s'en sortir ou alors de manger à sa faim, elle a un problème quand même, elle semble bancale. Je voudrais être l'homme qui reste dans l'histoire comme celui qui a apporté la démocratie, la prospérité. Une démocratie sans prospérité, est-ce qu'on est encore dans la promesse? Je voulais dire que il faut qu'on arrête de faire l'amalgame. Démocratie n'est pas égale à la gouvernance. Et c'est justement ici ce que et je crois que c'est Stéphane qui a ça ne s'entremêle pas. Non, hein? La démocratie n'est pas la gouvernance. Faut très bien comprendre les choses et je crois que c'est Stéphane qui a voulu mettre l'opinion en pâture parce que justement au Cameroun on peut tronquer tout dans le but de flageller le régime en place et ce n'est pas bien parce qu'en réalité la démocratie se résume à responsabiliser le peuple souverain. C'est différent de l'autocratie. L'autocratie, c'est la force. C'est un individu qui décide de soumettre tout un peuple à sa volonté. Différent de la démocratie, qui veut que ce soit le peuple qui choisisse par voie de représentativité, celui-là qui doit l'incarner pendant un mandat. C'est pour ça qu'à chaque fois, on revient vers le peuple pour choisir, pour sanctionner. Il ne faut pas
Il ne faut pas vouloir penser qu'on peut... Alors, mon messager, est-ce que vous ne pensez pas que le peuple va sanctionner? Non, écoutez. Est-ce que le Cameroun a la faim? Est-ce que le pays a la dynamique qui a été voulue? Je voudrais qu'on s'entende d'abord. Paul Biya est un démocrate né. Ça ne souffre d'aucun problème. Pour la simple raison que ce monsieur, lui, il a eu la chance que il devait, c'est-à-dire qu'il pouvait être un dictateur à vie. Parce qu'on disait à cette époque, la loi numéro 61, je crois, de 1979, disait que le premier ministre est le successeur constitutionnel. Simon Messengue, là, ça fait 42 ans au pouvoir, en démocratie. Est-ce que c'est pas... Parce que justement, vous avez cru que la démocratie l'alternance. Et ça, ce sont les propos de Stéphane. Qui nous fait comprendre que pour voir qu'on est dans une démocratie, c'est l'alternance. Bien suivi. Dans une démocratie, écoutez un peu, dans une démocratie, et quand on va à une élection, qui est une conséquence de la démocratie, on s'attend à deux choses. Soit la continuité, soit l'alternance. Ça veut dire qu'en démocratie, on fait 100 ans au pouvoir. On fait 200 ans. Si le peuple veut, il s'agit de la volonté du peuple. Il faut mettre ça dans votre tête. Maintenant, c'est pour cela que, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce que les candidats qui vont rencontrer le peuple souverain proposent? Il propose un projet de société. C'est là qu'on parle de gouvernance. Parce que c'est le peuple qui sanctionne. Il dit, ok, voilà ce que moi je propose pour que dans les 5 prochaines années, dans les 7 prochaines années à venir, voilà ce que je voudrais que sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan de la diplomatie, ainsi de suite, ainsi de suite. Il propose tout cela. Et le peuple choisit projet de société. Nous sommes au Cameroun. Oui. Nous sommes au Cameroun. Bien vu. Maintenant, je vous pose une question. Oui. Simple, pratique, parce que l'aspect des questions sciences sociales m'inspire. Véritablement, nous sommes à Yaoundé. Info TV est basé à Yaoundé. Yaoundé que vous voyez au jour le jour, avec ses poubelles, ses routes innommables, est-ce que vous avez l'impression que le peuple camerounais est encore lucide? Est-ce que vous de faire confiance? Peut-être que je fais confiance au même dirigeant. C'est une question biaisée. Comment? C'est une question biaisée. Moi, je vais vous dire une autre chose. Dites-nous. Oui, je vais vous dire une autre chose. Le peuple camerounais est lucide? Écoutez un peu, il y a une que nous voyons aujourd'hui, oui. N'est-ce pas? Où il y a Info TV, qui a Stéphane Balga. Pour les journalistes, est-ce que ce n'est pas un modèle de journaliste? Très bien. Le peuple, quand un parti politique va vers le peuple, il lui propose un projet de société. Maintenant, les questions de gouvernance sont partout. Il faut le comprendre. Oh, je dis bien, les problèmes de gouvernance sont partout. Maintenant, c'est au peuple. C'est pour ça que à un moment donné, par exemple, le RDP en 2025 va faire un bilan. Il va faire un bilan, va dire que voilà ce qu'on a fait en 5 ans. Le peuple va soit rééditer, lui refaire confiance, soit alors le sanctionner. Le RDPC à Yaoundé. Pour nous laisser ça. On dit une chose. Vraiment, je crois qu'à un moment donné, je ne suis pas en cas de figure. En 2018, Yaoundé n'avait pas le plus beau stade d'Afrique. En 2024, il a le beau stade d'Afrique. Bon, moi, je parle de Yaoundé des routes. Écoutez-moi, parler des routes. Parce que là, on dit une chose. Concerne le peuple. Est-ce que le monde va au stade, Simon Messengue? Écoutez, vraiment, vous prenez. Pourquoi vous voulez insister sur un aspect? Sur d'autres aspects. Bien sûr. Alors, Yaoundé en 2018 n'était pas relié à Simalin par une autoroute. En 2024, il est relié par une autoroute. Donc, permettez que celui à qui le peuple souverain a donné mandat aille faire ce bilan. Et comme ça, on va commenter. Mais ne disons pas ici, alors qu'on n'a aucun élément, on s'appuie sur la gouvernance. Et dans la gouvernance, parce que moi, je ne suis pas venu ici pour parler de gouvernance. Je suis venu ici pour parler des éléments de structure. Sans parler de gouvernance. Monsieur, c'est une insulte. Pourquoi vous voulez vous agiter? Moi, je ne m'agite pas. Dites la démocratie. Écoutez, la gouvernance n'est pas mal. Écoutez, c'est bien. Écoutez, très bien. Je suis en train de vous dire ceci. La thématique est claire. La démocratie. Démocratie et prospérité. Calmez-vous. Moi, je suis un communicateur. Non. Donc, en communication, on essaie de simplifier le langage. Le langage en disant qu'il n'y a la démocratie. Comment identifier un État démocratique? Ah non. Un État démocratique, c'est un État où... Vous nous amenez les concepts, Simon. Non, vous ne voulez pas entendre ça. On a perdu les concepts de gouvernance et de système, ainsi de suite. On vous dit que la différence entre un État démocratique et un État autocratique, c'est que
dans un état démocratique, c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Et la prospérité, écoutez, nous arrivons, c'est la deuxième partie, je ne vais pas aller là-dedans. S'il vous plaît. Écoutez, vous chutez, on identifie un état autocratique, un état démocratique. Comment? Dans un état démocratique, c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Dans un état autocratique, c'est la force d'un dictateur qui s'impose en lieu et place de la volonté de l'État. C'est ça dont il est question. Merci. Je mets n'importe quel politologue à défi de me démontrer le contraire. Merci. Alors, ne trouvons donc pas des astuces pour dire que l'État du Cameroun est un État démocratique. Merci. Merci. Et si le peuple n'a pas de prospérité, votre vision. Non, on ne peut pas parler de la prospérité maintenant. Je retourne vers vous. Alors, les chiffres sont évocateurs. Le Cameroun est classé 134e sur 142 pays au niveau mondial. Lorsque l'on évoque l'état de droit, parlons de démocratie. Est-ce que justement ce classement. Ce classement ne vous interpelle pas, alors que sur le plateau, on veut bien nous faire comprendre que nous sommes en démocratie et nous sommes dans le meilleur des mondes possibles. Stéphane, la thématique telle qu'elle est libellée, il faudrait plus de 2 heures de temps pour aborder tous ces... Prenez d'abord vos 4 minutes tout pour vous exprimer. Parce que le « et » traduit des rapports. Sauf que vous-même, vous avez décidé de biaiser l'entame de l'émission en nous focalisant toute l'attention que sur le premier concept qui est la démocratie. Permettez-moi de faire mon travail. Je vais répondre à la question. Attends, si on veut faire le rapport entre démocratie et prospérité au Cameroun, la question qu'on pourrait se poser de prime abord, c'est est-ce que la démocratie a apporté la prospérité au Cameroun? Voilà. Je vous permets de répondre. Et là, je vais juste citer le président de l'Assemblée nationale, Kara Yege Djibril, oui. Le 6 novembre 2018. Qu'a-t-il dit? Vous nous avez promis la démocratie et la prospérité. La démocratie est là. La prospérité viendra. C'est le président de l'Assemblée nationale du Cameroun. En 2018. Le 6 novembre 2018, le jour de la prestation de serment. Oui, du Son Excellence pour Biya, nouvellement. 6 ans après, Timothée Somba. Donc, non, pourquoi je rentre en 2018? Parce que nous sommes à l'orée de la prochaine élection présidentielle. Oui. Voyez-vous. Donc, je suis d'accord sur le fait que il ne faudrait pas faire d'amalgame. On est allé dans tous les sens avec la question de la démocratie. Vraiment, nous sommes allés dans tous les sens. Même l'enfant qui a le haut coup préparatoire, parce qu'on enseigne déjà ces choses au cours préparatoire, c'est que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Ou alors simplement le gouvernement du peuple. Et le peuple gouverne comment? En choisissant librement ses dirigeants. Voilà la démocratie de façon basique. Allons-y vers le parallèle. Maintenant, la démocratie et la prospérité. Est-ce que la démocratie au Cameroun a apporté la prospérité? On rentre dans les indicateurs de prospérité. Allez-y. Très bien. Offre de soins, on a la est-ce qu'on a la possibilité au Cameroun de se soigner à moindre coût, à proximité? Deux personnes vont répondre. Moi, je pose juste les indicateurs. Posez-les. Moyens de communication et de télécommunication. Est-ce qu'au Cameroun, on communique et on télécommunique de façon simple, c'est-à-dire accès à Internet, les routes, vous avez évoqué la question des routes tout à l'heure, les routes internes, les routes qui permettent d'aller au-delà. Est-ce que nous avons l'équité, la justice sociale, égalité des chances, libre, égal accès aux fonctions administratives, égal accès aux postes électifs, ainsi de suite. Est-ce que nous avons la question de l'état de droit? Est-ce que les libertés sont suffisamment promu, protégé, parce que la promotion des libertés intègre ces aspects. 1. La promotion. 2. L'encadrement. 3. La protection qui rentre dans la justiciabilité. Parce qu'en matière de liberté, il y a des créanciers, il y a des débiteurs. Le débiteur des libertés, c'est l'État. C'est à lui qu'on doit les libertés, doit donc les encadrer et les protéger.
Une fois que j'ai posé tous ces jalons, on rentre donc dans l'économie. Et on va regarder, est-ce que l'économie camerounaise se porte assez bien depuis que nous avons la démocratie avec tout ce qu'elle a apporté dans les années 90? Est-ce que dans le top 10 africain des pays les plus prospères figure le Cameroun? À partir de là, je pose des questions rhétoriques. Parce que nous tous, ce qui est bien sur ce plateau aujourd'hui, c'est que nous sommes tous Camerounais. Oui. Nous vivons tous au Cameroun. L'état le plus prospère d'Afrique, d'après le classement de 2010, c'est les îles Seychelles. Allons donc voir comment ça fonctionne aux Seychelles. Est-ce qu'il y a les opportunités économiques chez nous? La question du chômage, la question de l'insertion socio-professionnelle des produits des universités. C'est autant de questions qui font penser, et je ne vais pas le contredire, je vais encore le citer pour qu'on comprenne que si c'est lui qui l'a dit, c'est que c'est pas tant. Je ne peux pas discuter sur le fait que le Cameroun soit un État démocratique. Les piliers sont là. Oui. Ils sont perfectibles. Mais le Cameroun sur la prospérité. Mais le Cameroun n'est pas encore un État prospère. Sauf que je ne vais pas m'arrêter là en disant, est-ce que le Cameroun présente les signes de conquête de la prospérité? Si j'ai un troisième tour de parole, je pourrais répondre à ces questions. Merci, Timothée et Soumba. Jean-Moïse Mbok, démocratie adossée à la prospérité, on a eu l'un. Ou l'une, démocratie, l'autre, la prospérité, le panier de la ménagère. Vous êtes un spécialiste de ces questions. La ménagère, comment est-ce qu'elle, où elle vous regarde avec vos concepts? Mais en même temps, comment nourrir les enfants le matin? Mais je crois qu'on est sorti des concepts là et qu'on a bien évolué. Alors, pratique maintenant. Oui, c'est intéressant parce que la démocratie, c'est les instruments, c'est les moyens, c'est les hommes qui se mettent ensemble pour apporter le développement. S'il faut faire vraiment simple. Oui. Et c'est le développement des individus, c'est le développement de la nation. Ce qu'on attend de la démocratie, c'est de mettre sur pied un système qui permet à la nation de développer les produits et les services. Je prends le cas de la Turquie. La Turquie décide d'être un État semi-industriel. C'est un choix. C'est un choix qui permet d'atteindre la prospérité. Voilà pourquoi j'ai dit dans mon premier propos que quand nous avons les concepts, nous avons des idées, nous avons des idéologies, qu'est-ce qu'on met comme structure pour atteindre ce que nous visons? Si nous visons le développement, ce n'est pas simplement en faisant des marchés, en construisant plusieurs marchés, qu'on va se développer. Ça, c'est les services. Ce n'est pas en ayant plusieurs hôpitaux qu'on va se développer, c'est les services. On parle ici de mettre sur pied des instruments qui permettent d'atteindre effectivement le développement. Jean-Maurice, et à ce niveau, celui qui promettait, ou alors qui voulait entrer dans l'histoire comme catalyseur de prospérité, nous sommes en 2024 aujourd'hui. Oui. Si l'on considère qu'il a mis en place les instruments, doit-il s'inquiéter? Doit-il perdre le sommeil lorsque les Camerounais paye le pain à 200 francs, pratiquement, 150, 145. Lorsque le litre d'huile coûte 1500, lorsque le kilo de viande coûte pratiquement 2000, lorsque le sac de riz est quasiment en train de faire perdre le sommeil aux ménagères, est-ce que celui-là devrait s'inquiéter sur justement l'ambition qu'il avait il y a pratiquement 30 ans? Il est encore vivant. Il est encore en pleine capacité. Et peut encore faire changer les choses. Il doit faire un bilan. Et le bilan qu'il doit faire, c'est j'ai créé des services. Est-ce que je suis en train de créer des biens? Les moyens de s'industrialiser, donc créer de l'emploi. Quand je nous entends dire que le gouvernement doit créer des emplois, je dis que nous, les Camerounais, nous ne sommes pas sérieux. Parce que pour développer un pays, c'est le gouvernement, c'est aussi le secteur privé. Ce n'est pas que le gouvernement. Alors, si on ne se parle pas en vérité, on va tirer sur l'un et abandonner l'autre. Le gouvernement met sur pied les structures qui permettent au secteur privé
de s'émanciper, de se développer et de créer des emplois. C'est pour ça que je dis que si on n'entre pas dans la logique d'objectif, je n'ai pris que le cas de la Turquie, qui dit, nous, on doit faire l'agriculture à une certaine échelle, on doit faire l'élevage à une certaine on échelle. On a tous ces instruments. Non, c'est la danse, c'est la direction, ces projets, ces programmes. On n'a plus fini. Qu'est-ce qu'on en fait pour qu'on soit là où nous sommes aujourd'hui? C'est pour ça que je dis qu'il doit faire le bilan. Écoutez-moi bien. Il doit faire le bilan. On a créé des concepts qui ne se développent pas comme on souhaite. Est-ce qu'il n'est pas temps de s'arrêter et de se rediriger? C'est de ça que je parle. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui au Cameroun où on ne peut, on ne gagne rien à se tirer dessus. Le pays ne gagne rien à chercher qui a raison, qui a tort, et puis on s'arrête là. Ça ne sert à rien. Ce qui va servir à tous les Camerounais qui nous suivent, panier de la ménagère, l'étudiant qui, finissant et tout, c'est qu'on réfléchisse ensemble sur des mécanismes de créer des richesses à partir de chez nous pour desservir au moins notre sous-région. C'est l'État ou c'est le privé? L'État a déjà donné l'impulsion. Il faut le dire. Parce que la création des entreprises existe et de manière libre. Jean-Maurice Moïse, s'il vous plaît. Vous êtes au courant de la pression fiscale au Cameroun? Non. Ne mélangez pas les choses. Ne mélangez pas les choses. S'il vous plaît. Je suis parolier. S'il vous plaît. C'est moi qui ai la parole. Je suis parolier. Non, s'il vous plaît. Je suis parolier. La pression fiscale au Cameroun est de 13,5%. C'est vous qui le dites? Non, c'est le au-dessus, au-dessus de la pression, la moyenne de la pression africaine qui est de 15%. Stéphane, vous ne pouvez pas parler de ça comme ça. Je suis par ailleurs opérateur économique. Oui. Et je dis bien ceci. 48 heures, 72 heures, vous créez votre entreprise. Pour la fermer, S'il vous plaît. Vous avez un an où vous êtes exempt de taxes. Au Cameroun? Oui. Dans une question, on vous répond. Maintenant, pendant la période d'une année, Stéphane Mbarga, au Cameroun, mais je vous dis qu'il y a des entreprises. Laissez-moi parler. Allez vérifier. Stéphane, pardon, mon temps de parole, je vous en prie. Alors, vous créez votre entreprise, mais une fois de plus, je dis bien, on a un problème de vision. Les gens vont créer des entreprises parce qu'ils ont un cliqué DG pour avoir les 4-9. Et quand ils n'ont pas de 4-9, un an après, ils vont fermer. On ne parle pas ici de créer, juste des établissements pour créer. On parle ici d'avoir une vision, d'avoir un projet. Mathieu. Est-ce que je veux faire dans l'agriculture? Oui. Est-ce que je veux faire dans l'élevage? C'est pour ça que je parle de communication, je parle de dialogue. Les gouvernements doivent donner le cap. Camerounais, voilà où nous allons. La terre ne ment pas. Parce que la terre ne ment pas, on met les facilités pour l'agriculture. Ces facilités, ça doit se construire dans le dialogue. Quel est le besoin des agriculteurs? Quel est le besoin des acteurs du secteur? Et maintenant, quand il y a des griefs, nous ne sommes pas dans un état figé. Quand vous avez des problèmes au niveau des impôts, vous allez voir votre responsable, vous expliquez votre problème, on peut vous accorder un moratoire. Faut pas donner l'impression que nous sommes dans un état où les taxes, c'est seulement la machette. On découpe tout le monde, ce n'est pas vrai. Je dis donc que la vision doit être revue. Ça commence par les gouvernants, pour répondre à votre question. Mais à côté des gouvernants, le secteur privé doit prendre vraiment cette affaire à bras le corps. Comment le Cameroun peut s'industrialiser? Ce n'est que par là qu'on va atteindre une certaine liberté financière et donc le développement. Si on ne s'industrialise pas, on va amener tous les concepts. Les gens peuvent parler, les gens peuvent insulter, les gens peuvent même marcher. Mais est-ce que la marche là pose est-ce que la marche là paye mon loyer? Est-ce que la marche là résout le problème de l'emploi? Non, allons directement sur ce qui peut nous permettre d'entrer dans le développement. Parce que nous parlons de cela. Je dis donc que, s'il vous plaît, quand les gens n'ont pas la bonne information, permettez-leur d'aller la chercher. Et nous sommes ici pour vous donner les bonnes informations. Je vous dis, dans ce pays, vous créez votre entreprise dans le centre spécialisé, fait à dessein, parce que si vous avez créé ailleurs, ça c'est votre problème. Mais si vous avez dans le centre spécial conçu par le gouvernement pour faciliter la création des entreprises, vous avez un an d'exonération de taxes.
Merci Jean-Moïse Mbok. Paul Stéphane Manunga, nous sommes désormais au pas de course. On fait le parallèle entre la démocratie et la prospérité. Beaucoup s'interrogent. Démocratie, oui, prospérité, point d'interrogation. Alors, les critères sur lesquels on évalue la prospérité dans les pays ont été déployés, dévoilés ici par Timothée Essomba. La réflexion est quelle place occupe le Cameroun? Prenons simplement l'échelon africain. Est-ce que nous sommes parmi les 10 premiers? Non. Pour même répondre à cette question, il faut simplement lire le bilan que l'État du Cameroun même fait dans la SND 30. Oui. Il y a un bilan qui est fait. Vous comprenez que la prospérité est encore très loin de nous. Très loin? Oui, parce qu'on a carrément, ça c'est dans la SND 30. On a carrément un taux de sous-emploi. Avec tous ces instruments, toutes ces agences, toutes ces directions, tous ces ministères. Je parle là du bilan de la SND 30. Ce n'est pas Manunga qui fait ce bilan. On a carrément un taux de sous-emploi qui avoisine les 80%. Et on devait le réduire à environ 60%. Et avec les statistiques que l'Institut national des statistiques nous sort depuis, ce n'est pas un bilan réduisant. On a carrément des régions qui sont pratiquement très pauvres. Ça, c'est le bilan de la SND 30, comme l'extrême nord, le nord et beaucoup. Et j'en passe. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut simplement lire la SND 30 pour comprendre qu'en réalité, on a peut-être la volonté, mais cette volonté n'est pas matérialisée et matérialisée. Alors, à ce niveau, on peut penser que l'ambition du président Paul Biya ne sera pas matérialisée. Bon, c'est une possibilité. Oui. Mais il est encore au pouvoir, ça veut dire que tant qu'il peut encore faire évoluer les choses. Il peut faire évoluer les choses. Mais je vais sortir en disant que l'erreur que tout le monde est même en train de faire sur ce plateau, c'est de parler de démocratie. Parce que quand vous lisez la fin de l'histoire de Francis Fukuyama, il vous dit que la fin de l'histoire ne signifie pas la fin de la guerre, mais l'imposition d'un modèle démocratique libéral, la démocratie occidentale. Et c'est ça qu'on nous a imposé depuis 90. Et l'erreur justement des pays africains, c'est qu'on a couru vers le modèle démocratique libéral qui ne correspond pas à nos réalités. Et à nos moyens. Et à nos moyens. C'est vous qui dites qu'on peut modéliser une démocratie notre réalité. C'est ça que je suis en train de vous expliquer, que l'erreur qu'on a donc fait, c'est de courir vers un modèle qui ne correspond en rien du tout à nos réalités. On a couru vers le modèle libéral. Ça veut dire que pour la prospérité, on peut pas attendre. On n'a pas besoin de courir vers le modèle libéral. Parce que quand vous lisez Kwame Nkrumah, les pères fondateurs du panafricanisme, ils ont modélisé la démocratie africaine. C'est pour ça que je suis un peu amusé quand les téléspectateurs parlent d'alternance. Kwame Nkrumah vous parle du centralisme démocratique comme modèle politique de la démocratie. C'est un peu le modèle chinois. Quand il parle de centralisme démocratique, ça veut dire qu'on fait la démocratie dans un grand parti unique, un peu comme en Chine. Il vous parle du modèle socialiste. Il vous dit que le modèle économique de la démocratie ne correspond pas au capitalisme. Lisez le congrès de Manchester de 1947. La démocratie ou le modèle africain démocratique qui est théorisé. Il vous théorise même la démocratie sur le plan social. Mais qu'est-ce que nous on a fait? C'est que quand on a parlé à la bol, on a couru vers un modèle qui ne correspond pas à nos réalités. Mmh. Et ce modèle a été matérialisé aux Jeux Olympiques. Ouais. Ouais. Ça a été matérialisé aux Jeux Olympiques. Donc il faut sortir de ce modèle pour espérer être prospère. S'il faudrait que la démocratie nous apporte la prospérité. Et je sors même en rappelant que aucun régime politique n'apporte la pauvreté. Ça, ce sont des conceptions occidentales. Que vous soyez dans une dictature, dans une démocratie, ou je ne sais pas trop quoi, la finalité d'un régime politique, c'est le bien-être de ses populations. Pour preuve, Kadhafi, qu'on a dit qu'il n'était pas dans une démocratie, avait pour finalité le bien-être de ses populations. Donc l'Afrique et le Cameroun aujourd'hui ont besoin d'un modèle démocratique qui va permettre que, un, quand on finit de fréquenter, on trouve le travail. Deux, qu'on n'importe plus les cul-dents. Trois, qu'on ne vende plus nos matières premières à vil prix. Quatre, qu'on ne soit plus sujet de la mondialisation. Voilà le modèle démocratique qu'on veut. Voilà le modèle politique qu'on veut, qu'il soit de la démocratie, de la dictature. Trouvez le nom que vous voulez, mais voilà ce que l'Afrique et le Cameroun veulent aujourd'hui. Merci Paul Stéphane Manunga pour cette brillante sortie. Alors, bonsoir Stéphane Barga. Monsieur Mbok est-il de la société civile ou alors porte-parole du gouvernement? Je suis un peu perdu. Chaque fois que je l'écoute, Yannick Donkozo a réagi. Merci. Je vous laisse libre de vos déclarations. Je vous salue de ma part. Hubert Envolo,
un habitué habituel d'Info TV nous écrit ceci. La démocratie et la prospérité au Cameroun sont de grosses chimères et utopies profondes. Merci pour cette sortie. Bonsoir Stéphane Baga. La société civile du RDPC. Alors, c'est, on peut être de la société civile et du RDPC en même temps. On va voir ça plus tard. Mais Ferry, nous sommes tous des Camerounais, vraiment arrêtés. Dites la vérité. C'est Eric de Douala qui a réagi. Prenons rapidement une autre contribution qui nous arrive à présent. Je souhaite à M. Senge que sa vie soit comme la démocrature de Biya. Un projet de société n'est pas la gouvernance. Si le Cameroun était une démocratie, le monde entier le saurait. Faire un débat sur la démocratie au Cameroun suppose qu'il n'y en a pas. On ne débat pas sur le sexe des anges. Je rappelle que Kwame Nkrumah a laissé un Ghana où il y avait le rationnement. Tout le discours illuminé sur le plateau. C'est une contribution qui nous vient de Côte d'Ivoire. Merci pour la contribution. On va prendre celle-ci rapidement. Vous n'allez pas appeler, sinon ça ne va pas être possible. Bonsoir le panel. Les Camerounais souffrent. Laissez-nous les problèmes des stades. La route de Mombo est finie. Rien ne va au Cameroun. Merci à vous, monsieur Mvogo. Bonsoir à tous sur le plateau. En effet, il y a une chose qui est claire et visible. Le Cameroun est un pays démocratique. Jean de Dieu Vouna, prospérité, démocratie, on voudrait bien, mais malheureusement, pas, les Camerounais s'interrogent. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de prospérité. Quand je n'ai pas de quoi manger, je ne sais pas à quoi la prospérité, la démocratie me sert. Quand je ne peux pas mettre mon enfant à l'école, je ne sais pas pourquoi. Quand je ne peux pas avoir un crédit pour faire une ferme. Lorsque M. Mbok parle de création d'entreprises, pourquoi c'est des entreprises créées sur le papier? Puisqu'on ne vérifie pas si vous avez un compte qui a des capitaux de production. Une entreprise, c'est d'abord les capitaux de production. Ce n'est pas les papiers qu'on signe. Nous avons tous créé des entreprises, docteur Mbok. Et c'est parce que pourquoi les gens créent des entreprises tous les 6 mois? Justement, pourquoi? Parce que les gens créent des entreprises, comme il l'a souligné, parce qu'on a un budget de consommation et non un budget de production. Un budget de consommation, c'est quoi? C'est que 80%, c'est parce qu'on va aller faire les 4-9 et autres là et tout, quelqu'un là-bas. Une entreprise, avant d'être créée, doit pouvoir prouver ses capitaux de production de manière palpable. Donc, on ne peut pas nous dire que le secteur privé peut prendre de l'essor dans une société où il n'y a pas une facilité à avoir accès aux capitaux de production. Ça, ce n'est pas vrai. C'est vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Je le dis, sincèrement. Le Minepad finance est qui? Non, le Minepad finance, je ne sais pas si le Minepad. La plupart des ministères, là, le Minepad finance qui? Il finance qui? Il finance le financement à géométrie variable ou. Il finance qui? Est-ce que c'est pas le secteur privé? Vous pouvez toucher ce point-là où on vous dit, vous arrivez avec le projet et on vous dit que qui vous a envoyé? Il finance qui? Le secteur privé? Il finance ceux qui connaissent. C'est le secteur privé ou le secteur public? Attendez. Il finance ceux qu'ils connaissent. Il ne finance pas tout le peuple, la masse populaire. On va Parce que on ne peut pas dire que le secteur privé va prendre des sorts avec des capitaux de production rares. Étant fondé sur un budget de consommation. Tant à mettre de l'accent sur la production. Et c'est pour cela que l'inflation est galopante. Lorsqu'on donne des pans entiers de l'économie à des individus pour garder le monopole et priver la concurrence, on ne peut pas parler de prospérité. Ça, c'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas me dire qu'on peut parler du poisson au Cameroun, on parle d'un individu. Et on attend que le poisson sera moins cher à Mokolo. Non. Non. Tant que la concurrence dans le milieu, dans le secteur privé, privilégie, diminue l'inflation. Mais lorsque nous sommes dans une politique où, économique où les parts entières de l'économie sont données à des individus qui ont le monopole, sans aucune concurrence, quel est l'impact sur le panier de la ménagère? Et on va parler du secteur privé prospère à quel niveau? Ça veut donc dire que le mécanisme dont vous avez parlé, les structures qui ont été mises en place sont des géants au pied d'argile. Qui ne produisent pas. Merci. Donc on a besoin de revoir
je dirais même de dissoudre et de penser une nouvelle politique, comme l'a dit le politologue, c'est-à-dire une politique de gouvernance qui sied à nos réalités et non une politique de gouvernance néolibérale et coloniale. Merci. Simon Messengue, nous sommes désormais au pas de course. Démocratie, oui, prospérité, point d'interrogation, les mécanismes ont-ils permis à ce que les problèmes des populations aient des voies de solution? Est-ce que les instruments mis en place ont servi et servent véritablement à atteindre l'objectif qui est de faire quand même qu'un Camerounais puisse manger à sa faim? Je voudrais dire une chose. Dites-le rapidement, il nous reste très peu de temps. Permettez-moi de le dire. Allez-y, faire. Allez-y. Je voudrais dire une chose, c'est que ceux qui parlent du discours de la bolle en faisant un rapport avec la démocratie, l'ensemble de la démocratie au Cameroun, se trompent lourdement. La preuve est que c'est en 1985 qu'on a transformé l'UNC en RDPC. D veut dire démocratie. Le discours de la bosse en 90, c'est pour montrer qu'un pays était en train de se préparer à la saine concurrence politique. Ce sont des faits, on n'a pas besoin de discuter sur ça. Maintenant, il faut noter une chose. En 1987, vous avez un État dirigiste. Le dirigisme, c'est que ici, c'est l'État qui fait les richesses, qui a fait place à un projet de société qu'on appelle le libéralisme communautaire. En fait, ici, le privé entre en jeu. L'État devient le régulateur et le privé fait les richesses. Vous avez donc, quand vous regardez le budget de 2023, vous allez vous rendre compte, pour vous montrer que, en fait, nous sommes dans un processus de prospérité. À partir du moment où... S'il vous plaît. Vous voulez nous dire que... S'il vous plaît. Les Camerounais ne s'apportent pas. Ce sont les hommes d'affaires qui sont mauvais. Écoutez, je ne commente pas. Dites-vous. Nous sommes dans un débat vraiment purement intellectuel. Oui. Je vous pose la question. Est-ce que c'est le secteur privé camerounais qui n'est pas à la hauteur des instruments mis à sa disposition? Écoutez, vous faites une mauvaise évaluation. Premièrement, il faut faire l'état des lieux. Nous sommes où? Avec la prospérité, niveau de prospérité. Et c'est quoi la prospérité? Déjà, la prospérité, c'est un idéal. Aucun pays au monde ne va vous dire que nous sommes prospères. Non. Évidemment, aucun pays ne vous dira qu'ils sont prospères. C'est pour ça qu'ils sont toujours à la quête. Vous voulez dire que le président Paul Biya, qui lui promettait cette tombée, est-ce que je peux? À la fin, vous n'allez pas me laisser parler. Allez-y. Nous sommes à quel niveau? Premièrement, il fallait faire un basculement d'un État où c'est l'État qui faisait tout et on ne mettait pas suffisamment en place un des instruments pour mettre les populations au travail. Maintenant, on a donc basculé et aujourd'hui, on a 209 000 entreprises qui souscrivent dans le fisc. C'est comme ça qu'on palpe que, en fait, nous sommes dans un secteur privé dynamique. Il ne faut pas confondre. Les États comme le Cameroun sont des États jeunes. Et quand vous regardez bien la structuration de leur budget, vous comprenez très bien que 50% du budget camerounais, c'est le fisc. Ce n'est pas, je ne suis pas en train de commenter, je vous donne les éléments de preuve. Alors, nous sommes donc dans une logique où, qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici? Il fallait d'abord faire cela et permettre que tout le peuple soit en tout cas, que ce ne soit pas seulement l'autorité politique qui soit en train de créer tout. Première des choses. Deuxième des choses, vous chutez. À quel niveau nous sommes avec l'industrialisation? Je prends un seul cas de figure pour que vous compreniez que il faut qu'aujourd'hui, et là je suis d'accord avec Info TV, et là je profite pour saluer le PDG, qui trouve qu'aujourd'hui, il faut faire les débats de fond. Pas les débats de forme où les gens viennent raconter des histoires à dormir debout. En fait, nous sommes où aujourd'hui? Je prends le cas seulement de la filière cacao. En 1982, nous ne transformions pas le cacao. Et vous savez que la transformation, l'industrialisation vient avec ce qu'on appelle la plus-value. Je vous prends un cas de figure. Quand vous transformez une tonne de cacao, par exemple, ça vous donne 700 kg de pâte de cacao ou 1 kg de pâte de cacao, c'est 10 euros. Ça veut dire que pratiquement 6500 francs CFA. Vous en avez donc, vous voyez donc que sur une tonne de cacao, vous pouvez en avoir plus que ce que vous vendez en fèves. Alors, on transforme le cacao aujourd'hui. Et lui, le cacao de... Un instant. Nous sommes à 400... Non, écoutez, je parle de Si vous voulez, qui est l'une des meilleures, la plus structurée. On vous dit que la transformation est à 30%. Ça veut dire que vous avez des industries qui ont été mises en place et qui
ont davantage apporté la plus-value et les emplois et tout ce qu'on peut imaginer. Alors, vous avez vu dernièrement, c'est le ciment. Aujourd'hui, on transforme et on crée du ciment aujourd'hui. Alors, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui viennent survoler les choses, il n'y a rien. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que les gens ne veulent pas chercher d'emploi parce que vous leur dites que rien ne se fait au Cameroun. Il faut donner des formations aux jeunes chercheurs d'emploi. Nous sommes dans une situation où, effectivement, on crée des entreprises à 72 heures. De plus, ce que les gens ne savent pas, les centres de gestion agréés vous donnent des comptables. Ça veut dire que payer au fait de l'État pour que pour les trois premières années, quand vous faites votre business plan, vous le faites sur trois ans. Sur les trois premières années, que ces comptables-là vous accompagnent, de sorte que ces pays ne chavirent pas. Donc, dans des émissions comme celle-ci, donnons l'information, laissons la propagande politicienne parce que nous sommes à l'aune des élections. Ce n'est pas bien. Merci, Simon Messengue, Timothée Somba, les instruments sont mis en place, l'État accompagne. Je pose la même question. Ça veut dire que c'est des hommes d'affaires camerounais qui sont incompétents. Moi, lorsque j'écoute... Puisqu'on met tout en place, il n'y a pas de résultat. Lorsque j'écoute la très belle... Puisque 50% a dit que... S'il vous plaît. Le président... Lorsque j'écoute la très belle logorée de Simon Metsengue, j'ai envie de dire à tous nos frères qui sont allés au Canada, revenir. Ils doivent revenir. Sauf que lorsque nous marchons... Bien sûr, ils doivent revenir. S'il vous plaît, Simon Metsengue, nous n'avons plus le temps. Lorsque nous nous promenons dans la rue... Lorsque nous promenons dans la rue, nous voyons l'état d'immondice. Problème d'électricité, problème d'eau, problème de connexion. Je me suis retrouvé en train de faire trois jours que je ne travaille pas pour des problèmes de connexion. La connexion dérange ces jours-ci. Mm-hmm. On ne peut donc pas penser que le Cameroun est un État prospère. On parlait des entreprises, 209 000 entreprises, le fisc et tout. Pour quel impact? Avant l'impact, dans les 209 000. Il y a combien d'industriels? Mm-hmm. Vous pouvez citer combien d'industriels? C'est là mon cheval de bataille. Mm-hmm. On a des hommes d'affaires spécialisés des marchés publics. Voilà, pour connaître quel était le sport. Un peu sport. Dès que vous consommation. Dès que vous voyez étape par étape. Dès que vous voyez, Stéphane, que les 90% des entrepreneurs camerounais font dans les marchés publics, c'est-à-dire sus l'État. Vous comprenez qu'on n'est pas dans un pays prospère. Je continue de dire que c'est Kabaye Yege Djibril qui l'a dit, président de l'Assemblée nationale. La prospérité viendra. C'est ce qu'il a dit in extenso. Un pays où il n'y a pas l'égalité de chance. Tout le monde connaît le scandale des lignes 94. Les financements à tête chercheuse, les financements par coterie. La démocratie, la prospérité est une incidence directe de la démocratie. Exactement. À partir du moment où il n'y a pas de prospérité, on questionne la démocratie. Et c'est là où, si nous avions encore le temps, on allait parler. Est-ce que la démocratie est la meilleure forme le meilleur modèle de gouvernement politique qui apporte le développement? La plupart des grandes civilisations du monde ne se sont pas développées dans la démocratie. Je vais chuter avec vous. Chuter, mais je vous promets qu'on reviendra. Je pense que celui qui a promis la prospérité et la démocratie, c'est-à-dire le président Paul Biya, n'a pas de raison de s'inquiéter sur ce qu'on va retenir de lui. La démocratie est là, nous la validons. La prospérité, là, j'étais les bases. Et les bases de l'industrialisation reposent sur l'énergie. Lorsque vous regardez le plan de production de l'énergie du Cameroun, vous comprenez que si ce plan est mené à bien, dans les 10, 15, 20 prochaines années, nous aurons un pays industrialisé. Merci. Et seule l'industrialisation à sauver les grandes civilisations. Merci, je ne sors pas le cas de l'Union européenne. Ils se sont développés autour de quoi? Du charbon et de l'acier. Ne donnons pas l'impression qu'on peut se développer sans industrie. Merci, Jean-Maurice Mbok. En une minute, le mot de la fin. Même quand on reviendra la semaine prochaine sur les mêmes expressions. Oui, bien sûr. Stéphane, ça revient à ce que j'ai dit d'entrée. On doit se parler. Se parler sur le modèle qu'on choisit d'adopter pour amener le développement. Pour qu'on se parle, on doit se tenir un langage de vérité. On ne se flatte pas, on ne se flagelle pas. On fait un bilan froid. Tout le monde peut se tromper.
Même le chef d'État peut se tromper dans sa logique et sa politique. Non, mais le pouvoir qu'il a, s'il vous plaît, le pouvoir qu'il a, non, le pouvoir qu'il a, c'est qu'il peut recadrer les choses, comme les révisions budgétaires. On fait un budget, on se rend compte qu'il y a un souci, il recadre. C'est pour ça qu'il est le chef. Il a le pouvoir de dire, attention, je pense qu'on peut plutôt ramener la chose comme ça et évoluer. Aujourd'hui, où nous sommes là, je continue de dire, la société civile n'est pas là pour jeter de l'huile sur le feu. La société civile n'est pas là pour tirer sur l'opposition. Je suis de la société civile responsable. Et je prends ce qui est bien fait, je le dis, que ce soit du côté de l'opposition, du côté du parti au pouvoir. Je suis donc en train de dire ici aujourd'hui, parce qu'il faut sortir. Nous sommes dans un État qui est jeune, qui a encore toutes ses chances de se développer. Oui. Mais il faut des gens sérieux. Du côté du gouvernement, il faut des gens sérieux. Du côté des partis en face, il faut des gens sérieux. Dans la population, il faut des gens sérieux. C'est-à-dire que les gens qu'il faut blâmer dans ce pays, c'est toujours les Camerounais. Ce qu'il faut féliciter, c'est encore quelques Camerounais. Donc vraiment, en résumé, pendant que les autres s'asseyent, réfléchissent, se parlent pour se développer, nous nous passons le temps sur les plateaux de télé, parfois à tirer sur des choses qui sont évidentes. C'est déjà là, le lait est versé. On se voit, on le nettoie et on continue. Je vais sortir en rappelant, nous n'avons qu'un seul Cameroun. Et dans ce seul Cameroun-là, on a besoin d'avoir des esprits qui fédèrent pour aller ensemble. Ici, il n'est pas question du RDPC ou d'un parti ou de l'opposition. Tout ça va passer. Il est question des citoyens qui doivent se sentir bien dans leur pays. Il est question que nous, ici sur le plateau, puissions apporter des suggestions au gouvernement qui nous écoute aussi pour que ce soit pris en compte et que les populations se sentent et se portent bien. Merci à Info TV. Merci Jean-Moïse Mbok pour la présence. Merci Timothée Somba, Simon Messingué, Paul Stéphane, Docteur Evouna pour la présence. Je promets et je tiendrai cet engagement si Dieu et le top management me le permettent que justement lundi prochain nous restions sur la prospérité qui a été pas abondamment évoquée ce soir. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir réagi abondamment sur ce qui a été dit sur ce plateau. Merci à vous Burkina Faso, au Mali, en RDC, au Gabon, justement en Côte d'Ivoire qui avait réagi. Merci aux panafricanistes camerounais qui aussi ont réagi à ce qui a été dit sur ce plateau. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et excellente nuit. Amour, le bossa, ici.